Bon, alors les arbres. Là, est-ce que vous voyez une seule tête? Non, on voit peut-être plusieurs têtes. Non, vous voyez une tête? Ah, une principale. Il y en a une qui monte plutôt droit. Ouais, il y en a une, ouais, c'est vrai. Ouais. Ah oui. Mais la longueur par rapport à l'axe, non. C'est assez similaire. Hein. Est-ce que vous n'avez pas la sensation, bah là c'est un peu délicat peut-être sur celui-ci. Oui, oui, il s'est fait tailler, mais bon, quand même, c'est relativement libre. Est-ce que vous pouvez ressentir l'indépendance des différentes branches un peu importantes là? Est-ce que vous pouvez ressentir, ou voir plutôt, l'indépendance des différentes branches? Le concept de colonie d'arbres, là, ça vous parle ou pas, sur cet arbre-là? Ouais, charpentière, c'est ça. Il faudrait voir un peu en dessous, là. Chaque branche, ouais. Ouais. Donc on peut voir une charpente, hein, une charpente, et puis au bout de cette charpente, on a plein de comportements qui sont relativement similaires les uns aux autres, finalement. Maintenant, il y a le tilleul, là, qui est derrière, là. Aussi, alors là, on a un axe principal quand même, non? Il y a une question ce matin. J'ai souvent entendu dire que quand on coupait une branche, ça correspondait à des racines. Ah. Alors ça c'est pas tout à fait vrai. C'est pas tout à fait vrai, c'est-à-dire que ça peut être vrai quand l'arbre devient très gros, comme le chêne là-bas derrière les serres là-bas. Là, il y a clairement un côté, c'est-à-dire que un côté pour surtout sur un chêne qui fait du bois de cœur, il y a davantage un côté. Mais en fait, là, à ce stade-là, le tronc il joue carrément un rôle de mélangeur. C'est-à-dire que la sève elle peut très bien démarrer de ce côté et puis petit à petit, de vaisseau en vaisseau, si elle est davantage attirée à gauche, elle est attirée de ce côté. Par contre, dès qu'on commence à grossir en diamètre, on l'a de moins en moins, puisqu'on fonctionne en périphérie. Donc plus l'arbre est gros, plus quand on va couper une racine d'un côté, c'est du même côté qu'on va avoir la déficience. Après, sur un arbre de cet âge-là, c'est pas si évident que ça, non. Du même côté, mais pas spécifiquement à une branche. Non. On n'a pas une racine qui serait l'opposé de la... De la branche. Il n'y a pas un lien direct entre cette branche-là et cette racine-là. Voilà, pour l'instant. Quand l'arbre il aura 100 ans, ce sera peut-être un peu différent. Et d'ailleurs, on pourra l'apercevoir, on pourra le voir sur des vieux arbres avec un côté mort, on verra que souvent, il y a un côté mort, et si on suit, on va s'apercevoir que le côté vraiment de l'arbre finit par mourir aussi, puisqu'il n'est plus utilisé, et donc on a tout le cambium qui meurt de ce côté-là, n'étant plus utilisé, n'étant plus multiplié. Ouais, il y a quand même une certaine indépendance. Mais c'est, et encore une fois, c'est la demande qui crée l'appel. C'est la demande superficielle. Ouais. Voilà. Bon, ok. Mais malgré tout, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'ici aussi, on a la création d'une fourche. D'accord? Donc ça aussi, c'est indépendant de ça. Et indépendant de ça. Donc là, par contre, on aurait un axe. 2, 3, 4. Là, on est sur le fruit. D'accord? Regardez, le fruit, il est là. Donc, c'est-à-dire que le tilleul, il aurait tendance à fructifier sur le dernier ordre de ramification. Et si on regarde sur la pousse, il fructifie sur un bourgeon latéral à la base de la dernière pousse qui est là. D'accord? Il fait un peu comme le pêcher finalement, lui. Bon. Ça signifie qu'il a mis en place tout son unité architecturale. Est-ce que c'est pour autant il va en rester là? Ben non, pas nécessairement. Parce qu'en haut, il va pouvoir continuer à grandir, se développer et aller plus loin encore en développement. Ça, c'est plus sa génétique qui va déterminer de son volume final, quoi. Mais au niveau architectural, il est en place. Et donc, il fructifie. D'accord? Mais ça ne veut pas dire qu'il va en rester là au niveau de son développement. Ouais, mais il a beaucoup de branches. Cet arbre-là, en fait, il souffre aussi de, je pense, je pense pas que ce soit un arbre naturel. Il a été planté. Et il souffre du syndrome de l'arbre de pépinière. Et c'est-à-dire que toutes les branches partent un peu du même endroit, là. Et ça, c'est pas du tout normal sur un tilleul.
En fait, ça, c'est le cas, on va le voir, je pense, on va le voir sur la plupart des arbres de pépinière. C'est la crainte qui fait qu'on a tendance à choisir d'enlever la tête de l'arbre, de réduire la longueur, parce qu'on a très peur d'avoir, quand on a un sion qui est long comme ça, une grande tige, on se dit, mais où va-t-il s'arrêter? Alors que c'est un état transitoire nécessaire à la mise en place de l'architecture. Donc en fait, en faisant ça, on repart à zéro. On devait aller à 2 et en fait on repart à 1. Et à 1 multiplié par 5. D'accord ? Donc on fait directement la création d'une fourche. Puisqu'en fait, artificiellement, en coupant la tête, les deux bourgeons là, les plus hauts, vont se retrouver en concurrence. Et là, il va y avoir une codominance apicale qui va directement créer une fourche. Et qui va, vous voyez, c'est là la création d'une fourche. Et elle peut être naturelle, mais elle peut être aussi induite. C'est comme ça qu'on forme un gobelet, en quelque part. Enfin, c'est comme ça que c'est le principe pour former un gobelet. Mais un gobelet, ça se forme pas en une fois, et c'est souvent le problème. Et c'est ce que j'aurais tendance à critiquer dans le système de taille de formation systématique. Ouais. Là, vous voyez le sol pleureur. Ce que je vois comme intéressant à regarder, c'est que vous voyez qu'il a été, cet arbre-là, il a été taillé très fortement à une époque. Est-ce que vous le voyez, ça? C'est-à-dire qu'ici, là, ça a été taillé à zéro, ici, ici, ici. C'est en effet un ancien arbre têtard. Ce bois mort, là, ce bois mort, a le même âge que cette branche-là. Donc en fait là on a une somme de réitération qui est liée au fait qu'on a enlevé l'entièreté des branches pour essayer de maintenir, et l'année d'après on a eu tout un tas de rejets qui sont sortis pour en quelque part compenser, rééquilibrer au niveau hormonal. Il y a eu un déséquilibre très fort au niveau hormonal, donc tous les bourgeons proventifs sont sortis, là, se trouvant à cet endroit là, plus des bourgeons adventifs, donc on se retrouve avec une forêt de rejets qui petit à petit et arriver à se réguler tant bien que mal et à reformer un semblant d'architecture cohérente. L'architecture cohérente étant au-dessus assez évidente. Hein. On voit qu'il n'y a aucune branche qui part du même endroit. C'est hyper, hyper bien structuré. La branche de derrière, la plus verticale, vous la voyez là, hein, c'est hyper rythmé, quoi. Hein, tac, 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 tac. Et donc en fait, c'est très bien structuré. Alors que là, c'est un vrai bordel en dessous. Un sol pleureur que vous taillez pas, c'est pas du tout le bordel. Hein. C'est hyper structuré. Là, pour faire un tétard, quand tu coupes, ça va repartir, il va y avoir 30 ou 50 branches qui vont repartir, et c'est la deuxième année que tu dois enlever toutes sauf les 10 que tu veux garder En fait, ça dépend ce que tu penses faire comme tétard et comme type d'entretien de tétard. Ouais. C'est-à-dire que si tu penses couper tous les 10 ans pour récolter du bois de chauffage et des copeaux, ou si tu veux juste que l'arbre soit en bonne santé, et donc là, tu tailles pas au même moment. C'est-à-dire que si tu veux vraiment que ton arbre dure longtemps, il faut tailler tous les 2 ans. Il ne faut pas attendre, puisqu'en fait, après, le problème, c'est qu'il y a une migration, on appelle migration des réserves, c'est-à-dire que les réserves, c'est-à-dire que tous les ans, l'arbre, lui, quand il fait tomber ses feuilles, il récupère l'énergie et il va la stocker dans son bois. Et donc, il la stocke dans son bois, donc là, dans les boules qui forment les têtards, là, il stocke vraiment dans les boules. Mais si tu attends, au bout de 3 ans, les réserves, elles commencent à migrer de la boule à la base des branches. D'accord ? Et donc, si tu attends 10 ans, et bien, tu vas avoir toutes tes réserves qui vont se stocker dans la base des branches, et quand tu vas les enlever, tu vas affaiblir énormément l'arbre, parce qu'en fait, tu vas lui virer ses réserves. Donc, les arbres têtards, ça ne fonctionne pas bien si on fait comme ça. Au bout d'un moment, ils meurent rapidement, ils ne vivent pas aussi vieux si on fonctionne comme ça. 3 ans, il ne faut pas attendre guère plus, ouais. Et puis en plus de ça, tu augmentes la surface des coupes et des plaies. Mais en tout cas, vous avez une migration de réserves. Ça, c'est une solution. C'est-à-dire que c'est ce qu'on pratique, en fait, pour limiter, c'est-à-dire en ville, pour limiter ce phénomène-là, on pratique ce qu'on appelle une taille de prolongement, c'est-à-dire qu'on a tendance à tous les ans à rallonger. C'est-à-dire que nous, les élagueurs, si on nous demande de rabaisser, déjà, on refuse. Et si vraiment on insiste et qu'il faut le faire, jamais on va recouper à ras des moignons. On va toujours laisser 50, 1 mètre de bois, parce qu'on a conscience qu'il y a des réserves dans cette partie-là de la plante. Bon, après, ça ne résout pas le problème. Le problème, c'est d'avoir coupé gros et bon. Dans une optique de tétard, moi, je dirais que ça ne pose aucun problème. Je veux dire, ton tétard, il meurt, il y en a un autre à la place, tu as une régénération, tu as du bois, tu fais des bois de chauffage. Il n'y a aucun souci avec ça, je veux dire. Hein. Mais dans l'optique d'une pérennisation, on ne peut pas appliquer ce qu'on fait sur les tétards à un arbre fruitier, quoi. Il ne faut pas le faire. Il faut vraiment partitionner.
Souvent on me dit oui, les trognes, enfin, c'est super, oui, tu vois, avec la vigne aussi, c'est pareil, c'est une trogne, la vigne. Je dis oulala, il ne faut pas faire d'amalgame, en fait, entre les choses. Vraiment, la trogne, c'est un arbre à fabriquer de la matière, et s'ils vivent vieux, la plupart du temps, c'est parce qu'ils étaient entretenus plus régulièrement que ce qu'on le fait aujourd'hui, quoi. Si on entretient tous les 15 ans, ça se passe pas super bien, quand même, hein. On le voit d'ailleurs, ils finissent creux, pourris, il y a des grosses charpentières qui s'arrachent. Dès qu'on attend trop, c'est ce qui se passe. Par contre, si on le fait très régulièrement, eh bien on peut, enfin, tous les 3, 2, 3, à la limite 4 ans, ça peut durer très longtemps.